Et salut tout le monde, c'est Arcangel de B et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 13, petit match en saison pour se détendre un peu, voilà, histoire de faire une petite vidéo aussi avec donc la S-ROM que je crois que j'avais déjà utilisé et qu'on avait, je crois qu'on avait gagné 2-1 ou 3-1 et le type que j'affrontais avait malheureusement quitté la partie. Bon, attendez, là on va faire vite fait. Pour l'instant c'est bon, on va laisser comme ça tant qu'il y a lui là. Voilà, accélération 109. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris maillot blanc. Ouais, le blanc, allez, pourquoi pas. Allez, adversaire trouvé. Chou. Et c'est 1-0. Ah, un petit match, tranquille, tranquille. Alors, c'est pour jouer contre chaque 0-4, c'est ça? Bonjour à tous, Rome. Et chaque 0-4, voilà, c'est tout de bon. Maintenant, il faut espérer que le perso qui est en face soit très gentil. Alors on va commencer à jouer. Oh là là, erreur. Farfan. On cherche l'ouverture. Interception. Encore petit. Ouais. Allez, Bradley. Américain. Donc Lamela. Le défenseur complètement dans le vent. Dans le vent, il a pas fallu grand chose pour mettre dans le vent. Allez, le centre peut-être dans Lamela. Ah, Osvaldo qui a pas pu. Il a jeté sa tête. De large, je me demande si c'est pas l'ancien attaquant de l'AC Milan. De Rossi. Et De Rossi. Avec une frappe de loin du gauche. Non, c'est contré. Bonne défense, bonne défense. Allez, Léon. Avec Osvaldo. Une bonne anticipation sur cette passe. Oh non! Ouais, bien joué là, par le défenseur. Un peu n'importe quoi là. Balzaretti. Allez, Francesco. Le beau tir. Farfan. Allez, quand il part dans le pied, je peux vous dire que c'est dur de l'arrêter. Osvaldo. Allez, Francesco, montre-nous un peu. C'était une situation délicate pour son coéquipier. Oh là là, Francesco Dorati. Non totti, non parti. Oh, tentez quelque chose. Oh là là, trop prétentieux. Trop prétentieux, messieurs. Totti. Tout près de la zone de vérité. Oh, putain. L'attaque qui est stoppée. Farfan. Osvaldo. Allez, petit Osvaldo. Oula, faute. Non ? Oh. Bah. Ouais. Il a pris un peu le pied là. Oh. Sur l'arbitre. Je crois que l'arbitre c'est un Allemand, s'il vous plaît. Allez, Francesco, maintenant. Ouh. Oh là 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 là. Ah oui. Toujours. Totti. Magnifique. Magnifique but encore. Mais c'est... pourquoi je dis toujours magnifique sans déconner? Je mets que des buts magnifiques de toute façon. Alors... voilà, ouverture du score à... par Francesco Totti. Franchement, belle frappe. Pouh. La pastille là. 1-0. Oh, le bon ballon. Ah là là, faute. Elle s'est sifflée contre la Roma. Faut pas qu'il me la mette dedans. Allez, le mur, allez. Le
Allez, putain, il faut contre-attaquer. Ils sont pas beaucoup. Allez, vas-y, arrête. Pousse, 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 mon petit. Personne. Non, c'est pas ça que je voulais. Putain, quand ils font pas ce que vous voulez, mais c'est incroyable dans FIFA. Oh. Les passes qui sont jamais cadrées. Oh. On va encore Totti. Voilà. Aussi. Oh, mais il faut couper. C'est plus facile de faire ce que vous voulez en solo quand même. Hein. Pourtant, je joue pas en amateur, ça je peux vous le dire. Et voilà, encore une erreur. Et derrière, il fait l'autre, il est obligé de mettre la tête comme ça, sans déconner. Brut. Totti avec Osvaldo. Allez maintenant. Oh non, ce que je loupe. Allez, on roule. Oui. Bien joué Pjanic. Bien joué Pjanic. Ça fait 2-0, messieurs. Et tout y était sur ce coup de tête. La précision, certes, mais aussi la puissance. Schalke 04 qui est mené 2-0 par la Roma. Il momento del capitano. Osvaldo. Hop là, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, fin de frappe. Je pense pas que la fin de frappe c'était ça. Je sais pas si. Putain. Non, non, y'a rien, y'a rien, bien joué. Farfan. Oh non, toi tu as voulu. J'ai souvent regardé des matchs de la Roma. Franchement, voir toi tu as rejoué, ça doit être extrêmement rare. Les Pjanic. Oh putain, il faut écarter là-bas, c'est magnifique. Allez, la met la frappe. Oh, la technique de Bradley. Allez, Totti encore. Oh, bien joué ça. Il a fait un magnifique travail sur ce côté, Totti. Oh, la balle d'arrêté. On revient derrière. Oula, oh, doucement, doucement. Allez, avec Pieris. Oui, oh oui, je le vois bien, je le vois bien. Oh, bien joué Osvaldo. On n'en parle pas beaucoup d'Osvaldo en France, mais franchement, putain, qu'est-ce que c'est un bon joueur. Rien qu'en carrière, si vous savez bien l'utiliser, il s'améliore vraiment bien. Je peux plus son âge, je crois qu'il est quand même pas très jeune. Bon, il n'est pas vieux non plus. Petit avantage de 2 buts. Ah ouais. C'est la victoire. 19ème minute, but de Totti et 32ème Pjanic. On revoit ce but de Totti quand même. Faut voir celui-là. Ouais, magnifique. Précision de tir, bon, 100% lui normal, je crois. Il a fait qu'un tir, c'est ça? Oui, il a fait qu'un tir, il a cadré. Enfin, on est 88 quand même avec plusieurs tirs. Ah non, s'il te plaît, quitte pas. Tout ce que tu veux, mais ne quitte pas. On va mettre Osvaldo sur le côté, Totti en pointe. Bon, c'est vrai que je fais ça parce que
toi qui aimes mon joueur. Plus Valdo, je sais pas, il est plus rapide. Donc sur les côtés, peut-être le mieux. On va écarter là-bas. Oh, c'est dommage. Non, il est hors jeu. Osvaldo, il était, je crois, au jeu, donc. Et puis, de toute façon, c'était pas pour Osvaldo la balle. C'est dommage. Allez, mon petit cours. Ah, c'est pas grave. Un peu trop fort pour le débranler. J'ai envoyé la Mela un peu à la mort. Allez, Bordisso qui reprend, magnifique. Allez, 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 dedans. Tiens, Balzaretti aussi, c'est un bon défenseur quand même. Balzaretti et Maxwell, c'est vraiment mes défenseurs gauche préférés. Pas passé. Allez, bonne touche pour la Roma, bien placé, Osvaldo. Non, mais tu m'ouvres la voie, je peux y aller, hein. Il a de la tête pour centrer. Eh bien joué, Daniel De Rossi, un autre grand romain. Daniel De Rossi. Rossi. Je sais pas s'il a vraiment la solution. On peut presque dire que c'est un match à sens unique avec ce nouveau but. Bon, si c'est un bon joueur, il reste un peu. On va essayer de calmer un peu le jeu, 3-0 quand même. À part si maintenant il a passé la manette. C'est plus fort. Ce qu'il fallait faire. Continue à bien défendre. Oh, passe déterminante, peut-être, mais pas loin du but. Allez, dans le couloir. Mais c'est court. Ouais. Allez, la met là. Allez, je vais que Totti marque. J'ai envie de faire un petit festival avec Totti. Allez, s'il lève la tête, il a oh, il est pas. Putain, il est pas rapide dans sa technique, c'est dommage. Farfan. Oula. Petit carré du gardien de la Roma, Stuckenberg, je crois que c'est. La défense qui récupère le ballon sur ce corner. On dégage un peu à la sauve qui peut. Récupération. Schalke. Oh, très dangereux ce ballon qui se balade. Ouais, il peut jouer sur sa gauche là. Ah oui, la belle passe dans la surface, balle au pied. Pjanic. Et il a du monde autour de lui, il y a quelque chose de bon à faire. Oh, il a senti le coup. Et ouais. Il trouve bien son partenaire et va pouvoir lancer le. Ouais, il a. Bien. Parce que ce contre aurait pu être dangereux. Osvaldo. Et la défense qui est sur le TV, attention! Et bon ballon d'attaque pour la Roma. Ah oui, c'est pas mal ce centre! Oh! Enfin, si j'ose dire. J'aurais dû frapper avec Brandon. Petit puissant chez les supporters. Ils en viennent à douter sur chaque attaque, pratiquement. Oh! Attention, pas commettre de faute. Le caviar! Oh non. Oh, le gardien, il est bon. C'est vrai, le gardien, il n'a pas pris de but lors de cette rencontre. À la tête. Oh, je vais faire des changements. Ah bon, quand même. Alors, on va faire rentrer. Oh non. Oh. Bon ben voilà, 3-0 donc dans ce match de saison avec une Roma en pleine forme, un Totti, un buteur, un Daniel De Rossi, franchement les deux mes deux préférés à la Roma ont marqué, c'est pas mal, nous sommes à quelques points de passer en division 5, si vous me traitez de nul, je m'en fous, parce que je veux dire, je joue pas beaucoup en saison, hein. Voilà, enfin, je joue pas beaucoup, vous le voyez, hein, 32 victoires, 14 nuls, 24 défaites. Je suis pas, comment dire, un joueur exceptionnel.
Mais quand je filme, j'arrive à faire des bons scores. Et je vous le dis, j'ai jamais filmé, par exemple, une défaite et la mettre à la poubelle. Si un jour j'ai une défaite, je vous promets que je la mettrai sur YouTube. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, je touche du bois. Je crois que je filme, ça n'arrive pas. Donc, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Et Forza Rome.